L'autre bagaille que nous fait comme fédération de la diaspora haïtienne, nous encourager haïtiens qui dans communauté à pour regrouper. Ça veut dire pour former communauté. Parce que l'on former communauté, c'est là ça respecte dans pays. Et qui ça nous fait encore? Nous encourager compatriotes yo pour yo commencer à entrer dans le monde des affaires dans pays. Parce que nous posons peut-être nos questions, nous disons pour qui ça? Mexique, son marché ouvert. Chinois profitent le maximum. 40% marché, ça, c'est Chinois qui pilotent. OK? Après, on joue un Américain, on joue un Européen, on joue un Latino-Américain. Mais on a une nation qui n'a pas profité, qui a couru des opportunités pour aller chercher la vie aux États-Unis. Là, on vit aux États-Unis. Plein de mal passé, les gens qui vivent à Haïti, non? Pour qui ça? C'est parce que gagné, on manque d'orientation, non? On manque d'orientation. Et nous-mêmes, qui ça nous fait? Nous organisons des séminaires pour eux. Chaque année, nous organisons le sommet de la diaspora haïtienne du Mexique. OK? Côté nous relais des experts, viennent expliquer aux compatriotes qui ça Mexique offre. Vous comprenez? Sous plan social, sous plan éducatif, sous plan des affaires. Tout bagaille net, on va venir expliquer aux compatriotes. Mais pasteur, il y a des gens qui pensent pas qu'il y a une communauté solide ici dans le pays Mexique, une communauté haïtienne solide. Nous gagnons une communauté ici au Mexique. Les n'a parlé de solide, nous pas menti pour nous dire nous avons une communauté qui est solide, non? Puisque les États-Unis sont les manqués, avait dit, vous mettez prend temps ou fin forme communauté à là, bon garanti que on prenne, nous allons mettre fin d'où la prête là, et nous allons mettre un business, nous mettre un caille, et puis quand il va passer dans tête là, vous comprenez, échapper pour lui, non? Ok? C'est triste, il y a un peu qui est caille ici. Qui gagne appartement dans la capitale Mexique même, ou bien dans l'alentour de la capitale là. Gen haïtien qui ont réalisé de gros business ici au Mexique. Ils ont quitté aux États-Unis. Les États-Unis ont allé. Les mains ont allé. Et je dis à Cap Dim, pasteur moi-même, c'est jour je vais compter pour me retourner. Ok? Gen ça qui son petit capital économique qui a cherché là pour retourner parce qu'il y a une inflation extraordinaire aux États-Unis. Moun nan ka fait 2 000 à 3 000 $ américains le mois. On va économiser $50 américains. Ok, en conclusion, pasteur, alors c'est grâce à la Fédération de la diaspora haïtienne du Mexique que Koumaldi a arrivé où? Effectivement. C'est possible pour combattre tout service. Effectivement, c'est grâce à l'effort et Fédération de la diaspora haïtienne du Mexique qui fait Koumaldi aujourd'hui a réouvert la porte rapide, vite, on va pour continuer by service. Par quel moyen on peut rentrer en contact avec la Fédération? Et si besoin d'entrer en contact ensemble avec la Fédération de la diaspora haïtienne et du Mexique, vous êtes capable de relayer nous ou bien écrire nous dans le numéro ça qui c'est 55 34 74 84 16. Vous avez besoin pasteur Frisnel Joseph, qui est président de la Fédération de la diaspora haïtienne du Mexique, ou bien vous êtes capable de parler ensemble avec le secrétaire particulier qui c'est Geoffroy Roger. D'accord, merci pour la déclaration une fois encore. Merci. Et merci d'être partagé l'information avec nous sur la plateforme Léonard Choix. Bonjour, c'est ton plaisir, Léonard, et déjà, ou même, c'est maître communauté. D'accord, à la prochaine. À la prochaine.